Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy Angel. Alors cette édition, c'est une édition spéciale. Vous savez que je suis conférencier, mais aussi auteur, best-seller. Et justement, je viens de sortir mon premier livre qui s'appelle Augmente ta valeur. Et dans cette édition, je vous donne les 5 chapitres coup de cœur. Hein? Ouais, les 5 chapitres coup de cœur qui ont été les plus lus, qui ont touché le plus de personnes. Alors on va, sans plus tarder, on va commencer. Le premier chapitre qui a touché le plus de personnes, bien entendu, c'est connaître sa valeur. Vous savez, en fait, au début du livre, je parle de connaître sa valeur. La vérité, c'est quoi? C'est que tu dois connaître ta valeur, mais ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu as sur toi. Et ta valeur a tout à voir avec ce qui est à l'intérieur de toi. Vous voyez, dans cette génération, les gens ont tendance à porter de grandes marques, à penser que c'est cette marque qui me donne de la valeur. C'est en portant cette marque que j'ai de la valeur. En portant, par exemple, cette paire de chaussures de marque qui va me donner de la valeur. Mais la vérité, c'est que non. Ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu as sur toi, mais ta valeur a tout à voir avec ce qui est à l'intérieur de toi. Alors connaître sa valeur, c'est connaître que tu es beaucoup plus profond que ce que les gens peuvent dire. Tu es beaucoup plus profond que ce que la société peut dire. Alors vous savez, je dis souvent dans mes conférences, tu n'es pas tes notes à l'école, tu n'es même pas ton salaire, tu n'es même pas ce que ton entourage te dit, tu n'es même pas ce que tes proches te disent. Non, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, quelque chose qui est beaucoup plus... Et il faut, pour savoir, pour connaître ta valeur, tu dois passer du temps avec toi. Et j'explique donc que connaître sa valeur, ce n'est même pas en fonction de tes avoirs, de ce que tu as, de ce que tu peux posséder. Mais ce n'est non plus à cause de tes circonstances. Parce que plusieurs personnes pensent que leur valeur, c'est en fonction de leurs circonstances, de ce qu'ils ont vécu dans la vie, de ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse, etc. Et c'est comme ça qu'ils déterminent leur valeur. En fait, non, pas du tout. En fait, tu as une valeur que personne ne peut changer. C'est toi-même qui détermine cette valeur-là. Alors, ce que je te recommande, toi qui es en train de me regarder, c'est prends le temps de pouvoir regarder à l'intérieur de toi. Connais exactement, tu dois connaître ta valeur. Et vous voyez, j'aime bien un exemple qu'on prend souvent. C'est que vous voyez, par exemple, si on prend un billet d'argent, voilà. Et puis, je crache sur ce billet-là. Par exemple, ça, c'est 20 euros. Je vais cracher sur le billet. Je vais insulter le billet. Je vais dire, tu es laid et tu n'as même pas de classe. Tu ne vas pas aller loin dans la vie. Je vais même froisser le billet. Alors, ce qu'on pose souvent comme question, c'est que, ok, j'ai fait tout ça, j'ai critiqué le billet, j'ai dit que le billet était faux, j'ai dit que le billet, etc. Alors, est-ce que ce billet a perdu sa valeur? Est-ce que ça veut dire que je vais dans un magasin et il va me dire que non, votre billet est trop froissé, votre billet a reçu trop de critiques? En fait, non, le billet ne perd pas de valeur. Ça veut simplement dire que nous non plus, nous ne perdons pas de valeur. Peu importe si on te critique, en fait, tu dois connaître ta valeur. En fait, laisse-moi te dire quelque chose de très important. Tu dois déterminer ta valeur avant que les autres ne te le disent. Je répète encore, tu dois déterminer quelle est ta valeur avant que les autres ne te le disent. Ce n'est pas les autres qui déterminent la valeur qui est à l'intérieur de toi, mais c'est toi qui détermines ta valeur avant que les autres ne te le disent. Dis ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça que je recommande à toutes les personnes que je coach, c'est que ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un devenir ta réalité. Waouh, je répète encore, ne laisse jamais l'opinion d'une personne devenir ta réalité parce que tu as une valeur et ta valeur est bien au-delà de ce que tout le monde peut penser. Alors n'oublie pas que tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Alors c'est tous pour cette édition, connaître sa valeur. Alors bien entendu, pour ceux qui ont besoin du livre, vous pouvez aller sur le site augmentetavaleur.com et vous pouvez le commander là-bas sans problème. Alors on se voit dans une prochaine édition de ton motivateur personnel. Peace out, bye bye.